Bonjour à tous et bienvenue dans les TBO. Le vent souffle fort sur le Finistère et ce n'est pas pour déplaire aux concurrents du Finistère Windsurf, du Tour du Finistère Windsurf, pardon, qui démarre ce mardi. Son organisateur est avec nous en plateau, on détaille l'événement dans un instant, mais tout de suite on fait un petit point sur l'actualité locale de ce lundi 29 juillet 2013. Le festival de Cornouailles s'est achevé ce dimanche soir en grande pompe avec Quimper en fête, l'élection de la reine et un spectacle pyrotechnique. Des animations perturbées par la pluie, mais finalement le public était au rendez-vous puisque les organisateurs recensent 200 000 visiteurs et plus de 50 000 entrées payantes. Julie Postelec. Le cœur de Quimper a battu au rythme des 3000 danseurs et sonneurs pour le dernier jour du festival de Cornouailles. Un festival au goût particulier pour ses 90 ans. Ah, c'est un grand rendez-vous. En plus là, c'était les 90 ans, donc de quoi bien on va en profiter quoi. C'est beaucoup de partage, de convivialité et surtout de festivité avec les touristes. C'est un anniversaire, hein. C'est un festival dans la ville avec toutes sortes d'animations, pour, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, et c'est ce qui fait son charme. En parlant d'animation, l'organisation a voulu marquer le coup en diffusant en direct sur internet le Festnoz, rebaptisé pour l'occasion Cyberfestnoz. Les internautes qui regardent le Cyberfestnoz sont répartis dans 81 pays exactement pour les statistiques de l'an passé. Aujourd'hui, on totalise dans les 180 000 internautes à chaque édition. Côté chiffres, si l'affluence de la semaine correspondait aux prévisions pour les concerts, la dernière journée a été perturbée le matin par des trombes d'eau. On était sur 30 000 personnes l'année dernière au niveau des entrées. Par rapport à des pointages qu'on a fait sur deux des plus grosses caisses, on va être sensiblement sur les mêmes orientations, sur les mêmes chiffres que l'année dernière. Sachant que tout autour de Quimper, on avait de la pluie, c'est malgré tout un très bon dimanche. Ça donne envie de bouger surtout, oui, de danser, oui. Partager avec les autres. Ouais, super. Belle ambiance. On a bien dansé. Super ambiance. On reviendra l'année prochaine, c'est sûr. Un dimanche qui s'est terminé en danse et en lumière sur les bords de l'Audet. La 9e édition du Fest Jazz à Châteauneuf-du-Fou s'est achevée ce dimanche sur les bords de l'Aulne. Un festival à la programmation danse, puisque 18 groupes étaient programmés et presque autant de styles de jazz différents. Julie Postelec nous offre un petit panorama de la fête. Au pied de l'église de Châteauneuf-du-Fou, l'arbre cache la scène, ou plutôt des scènes, quatre au total, celle du Fest Jazz. Des balades calmes au jazz manouche en passant par le blues, chacun y trouve son compte dans ce festival de jazz à taille humaine comparé à d'autres plus connus. Mais par siècle, c'est énorme, énorme, énorme. Et ici, on voit les gens, c'est bien plus intéressant. Pour le prix, pour le volume de spectacle, c'est intéressant. C'est la troisième année, oui. Et c'est vrai qu'excepté le temps, c'est toujours très bien. Parce qu'ici, on rencontre beaucoup de personnes. Et voilà, différents groupes, du jazz manouche, du jazz classique. Festival à redécouvrir ou à découvrir tout court, comme pour cet Anglais venu tout droit d'Exeter. Je découvre ce festival grâce à mes amis. Ils sont venus ici l'an dernier. C'est un endroit magnifique, superbe, c'est sûr, j'en reviendrai. Rendez-vous donc l'année prochaine au bord de l'Aulne pour une nouvelle eau de jazz. Depuis le 8 juin, le musée de la pêche à Concarneau propose une exposition intitulée « Maquette, une tradition, un métier ». On y découvre des reproductions de navires du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et en bonus, l'opportunité pour les visiteurs d'observer la construction d'une miniature de thonier en direct. Julie Postelec a visité pour nous cette exposition. Oubliez un peu la maquette type Le secret de la licorne. Le musée de la pêche de Concarneau montre que, loin d'être sous verre et intouchable, ces modèles miniatures étaient à l'origine religieux avant de devenir des passe-temps sur mer ou en escale dans les abris de marins. Et dans ces abris étaient organisées des régates de bateaux-jouets.
Donc les marins construisaient leur maquette, donc c'était une maquette navigable. Les bateaux jouets vont permettre aux marins d'avoir des connaissances à la fois en construction de bateaux et en gréement. Les ex-voto, c'est différent, c'est des maquettes qui étaient réalisées par les marins suite à un vœu. On va demander une protection, donc ça va permettre aux marins d'être plus rassurés face aux conditions de navigation difficiles. C'est d'ailleurs pour construire un navire résistant aux conditions difficiles que la maquette sert ensuite de prototype dans la construction navale. Une construction dont Joël Barzic veut préserver la mémoire. Avec son collègue, il modélise ici le Glénan, le dernier tonnier construit à Concarneau. Pour celle-là, on a estimé à peu près à 2 ans de travail. Étant donné que tout est réalisé aux ateliers, la difficulté, c'est d'être précis dans son travail. Chaque pièce est au moins une maquette à elle seule. Que ce soit une grue, ou un treuil, un guindeau. Une maquette dont les visiteurs peuvent observer la construction. Souvent on achète une maquette, c'est un kit en plastique qui a qu'à coller les morceaux. Mais là, monsieur travaille à partir de plans, donc il a tout à créer. Il leur reste 6 mois pour finir la maquette. L'exposition, elle, sera ouverte jusqu'au 11 novembre. Et toujours côté mer, le tour du Finistère à la voile a démarré ce dimanche. 66 bateaux ont pris le départ à Roscoff, direction Saint-Pabu pour la première étape. Et le vent fort du week-end a eu raison de 9 bateaux contraints à l'abandon. Et on parle, puisqu'on parle de tour du Finistère, bonjour Christophe Boutet. Bonjour. Alors vous êtes l'organisateur du tour du Finistère Windsurf qui démarre ce mardi 30 juillet à Sainte-Marine. Et ensuite, quel est le programme de cette 23e édition ? Alors, on démarre à Sainte-Marine mardi. Le lendemain, on est à Loctudy, toujours sud Finistère. Puis l'Échiagat, Tréfiagat. Et ensuite, on fait la traversée finalement du Finistère, parce qu'on repart du nord Finistère, du côté donc de Saint-Paul-de-Léon. Oui. Et ensuite, nous aurons Térénèse. Et on finira à Daoulas, sur la plage du Yélène, donc tout proche de la rade. Quoi. Que des super spots. Des noms connus parmi les participants, comme Faustine Meret. Alors ça s'adresse à qui finalement, aux pros ou aux amateurs ou à tout le monde? Alors, le Tour du Finistère, c'est un savant mélange de pros, d'amateurs, de jeunes et de moins jeunes, puisqu'on a des jeunes de 10 ans jusqu'à Serge Wang, qui a 84 ans. Des professionnels, puisqu'on a, enfin si on peut appeler ça professionnel, mais on a des gens comme Faustine Meret qui ont été quand même championne olympique, qui se mélangent à des jeunes qui ont démarré la planche à voile il y a 1 an ou 2. Donc c'est vrai que c'est tout public et c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du tour, c'est qu'on est sur un événement hors norme par rapport à ce qui est pratiqué d'habitude en termes de compétition, puisqu'on est dans un esprit positif de navigation entre amis. Quoi. Alors d'où est née cette idée du tour du Finistère windsurf? C'est né il y a 25 ans maintenant, parce qu'en fait on est sur la 23e édition, mais il y a eu 2 années d'arrêt, en 2001-2002, avant qu'on reprenne l'événement. C'est quoi, une bande de copains à la base qui C'était les Crocodiles de l'Élorme, avec Nautissement Finistère, qui ont créé cet événement-là, à une époque où, c'est vrai, il y avait... pas mal de gens à naviguer sur des grandes planches à dérive dans le Finistère. Et puis finalement, ça a fait son bout de chemin jusqu'à arriver à des épreuves dans certaines années où on avait du niveau international. Et beaucoup de participants, il y a combien par exemple cette année de Cette année, on va être aux alentours de 75 coureurs en permanent. C'est pas trop mal par rapport au fait qu'on est mal placé dans le calendrier cette année, puisque le championnat du monde des jeunes a changé sa date en milieu d'année et est retombé pile sur notre semaine. Donc il vous manque quelques vingtaines de coureurs, mais en gros le Tour du Finistère, c'est entre 70 et 100 coureurs en permanence, et puis plus les coureurs qui viennent s'inscrire à la journée. Donc on arrive Est-ce qu'on peut s'inscrire à la journée, ça c'est important de noter. Les paddles sont les bienvenus cette année. Les paddles, bien sûr. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le stand-up paddle est un sport en pleine évolution et souvent pratiqué par d'anciens windsurfers au final. Et du coup, c'est vrai qu'on ouvre la pratique au stand-up cette année. Oui. Alors rapidement, il y a aussi des soirées endiablées, c'est ce que vous marquez sur votre site. Donc c'est sportif, mais c'est festif aussi. Et un challenge offshore. En 10 secondes, c'est quoi ce challenge? Alors, le challenge offshore, c'est simple, c'est qu'en fait, l'ensemble des concurrents qui sont inscrits individuellement aux courses de planche à voile ou de stand-up peuvent s'inscrire en équipe pour des épreuves à terre, puisque le Tour du Finistère, une journée type, c'est le matin, animation à terre. Donc ça peut être des tournois de beach volley, de beach soccer, ça peut être des courses de paddle par équipe. Donc on s'inscrit en équipe de 5 et on a un tournoi offshore avec plein de petites astuces, puisqu'on aura aussi des battles de musique le soir, etc. Très complet ce tournoi, merci Christophe. Je rappelle que toutes les informations sur le Tour du Finistère windsurf se trouvent sur www.aloa-attitude.fr.
Nous, on se donne rendez-vous demain, même heure, dans les TBO. D'ici là, passez une excellente soirée.